magazine spécial de la Semaine nationale de la culture Bobo 2012. Au sortir de la foire, vous pouvez faire un tour à l'un des 5 sites réservés au plateau off. Hier, à la place Tiefo Amoro de Bobo Dioulasso, 11 artistes de la chanson traditionnelle et moderne ont tenu en haleine un public sorti massivement. Retour sur cette soirée avec Frédéric Etienne Bassenga. Devant une bière, assis sur une moto, debout ou à même le sol, peu importe la position, la place Tiefo Amoro a été prise à ce palais bobolais. Ça se passe bien, ça se passe dans de bonnes conditions. En tout cas, les gens sont sortis massivement. Voilà, et puis l'animation est impeccable. Voilà, tout le monde est content. Bon, on essaie de s'enjailler, quoi. Comme c'est la fête, voilà, tout le monde en profite, quoi. Je suis venu regarder le spectacle, c'est formidable, vraiment ça m'a plu. Et puis c'est une occasion de moi de voir des choses culturelles. Quoi. Sur scène, les troupes Bisga, Iska de Nombéré et Seyora du Yaga, Ali Traoré et DJ Simplice tentent d'assurer le mieux possible pour accrocher le public. Pour cette soirée, ils étaient 11 artistes modernes et traditionnels qui étaient à l'affiche. Entre musique moderne et musique traditionnelle, chacun y trouve son compte. C'est un changement radical entre la France et le Burkina. Donc tout, j'apprécie tout. C'est ça aussi la Semaine nationale de la culture. Et il n'y a pas que ce site. Chaque soir, de tels spectacles ont lieu également au plateau Omnisport de Yégré, à l'espace jeune de Dafra, à l'Afiabougou et au lycée promotion. Les mets locaux sont également mis en valeur à la Semaine nationale de la culture. Cette année, la compétition art culinaire regroupe une soixantaine de femmes venues des 13 régions du Burkina Faso. Chacune d'elles devra faire preuve de créativité en catégorie plat lourd, plat léger, dessert et en boisson. Des précisions avec Adissa Lucienne Toué. Elles viennent des 13 régions du Burkina Faso et sont animées par la même détermination, à savoir valoriser les mets locaux et remporter le premier prix de cette compétition d'art culinaire. C'est un plat de galette de pommes de terre. Nous sommes venus chanter notre stand pour voir et apprendre aussi sur beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Au bout du compte, c'est faire connaître le produit et puis montrer aux gens aussi de quoi on est capable. Je suis venue pour présenter les hommes comme de nénuphars. Comme c'est le travail de main pour savoir faire, pour montrer qu'on peut faire plusieurs choses. Ces femmes rivalisent de talent dans la préparation de plats lourds, de plats légers, de desserts et de boissons. Mais pour remporter le premier prix, les différents mets doivent correspondre aux critères du jury. Le jury a arrêté 4 critères fondamentaux. Et dans le premier critère, c'est la présentation. Il y a le mode d'exécution, si on peut voir si les bonnes pratiques d'hygiène sont respectées. Troisième critère, c'est l'originalité. Il y a aussi quatrième critère, la valeur nutritive. Et au niveau de la valeur nutritive, on s'attend à ce que les candidates sachent doser les ingrédients. Les hommes sont absents à cette 16e édition. Pendant 4 jours, le jury aura à évaluer 83 mets. Cette compétition en art culinaire qui a débuté hier se poursuit jusqu'au jeudi. La proclamation des résultats est prévue pour le samedi prochain. Présente également à la SNC 2012, la province de la Nyanya se distingue au plan national par la qualité et le talent de ses cantatrices. Pour cette édition, l'une des troupes de la Nyanya assure l'animation. Il s'agit du groupe Tanyamba, composé de 2 femmes, que Varis Kombari nous invite à découvrir. Ce duo composé de Kayaba Savadgo et Midanlemba Tendano nous vient de la Nyanya, une province qui a offert à la région de l'Est et au Burkina Faso tout entier, de grandes cantatrices. Je chante il y a de cela 9 ans, et la musique pour moi est bénéfique.
Quant à moi, je chante il y a seulement 5 ans. Vraiment, chanter nous plaît et c'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour le faire. Ensemble, elle totalise 14 ans d'expérience musicale. Tanyemba dénonce l'excision, le mariage forcé et chante en faveur de l'éducation. Il faut dire que le groupe vient d'une région où le taux de scolarisation est très faible. Dans les femmes de Tanyemba, là, ils chantent surtout sur la sensibilisation, sur la scolarisation, sur l'excision et sur le mariage forcé. Donc, on donne des conseils aux parents. Voilà. Comme vous savez, dans notre province, on a un problème de scolarisation. Donc, elles mettent l'accent là-dessus. Voilà. Et aussi le mariage forcé. Kayaba Savadgo et Mindan Lemba Tendano sont à la Semaine nationale de la culture, juste dans la catégorie animation. C'est leur première sortie hors de leur province d'origine, la Nyanya. Et c'est ça aussi la SNC, permettre à des originalités comme Tanyemba de s'exprimer partout au Burkina Faso. À l'instar des autres régions du Burkina Faso, la boucle du Moun est présente à cette 16e SNC. Avec elle, une dizaine de troupes, parmi lesquelles la troupe Niketa. Cet ensemble artistique est en compétition en catégorie danse traditionnelle pour adultes. Allons à sa découverte avec Karim Cissé. Niketa de Dedoukou, voici une troupe de danse bien connue des Dédoulés et de la Semaine nationale de la culture. Depuis sa création en 2003, elle a toujours été présente aux compétitions du Grand Prix national des arts et des lettres GPNAL dans le registre danse traditionnelle. Cette année encore, Niketa est en compétition dans le même registre. La troupe Niketa a été créée en 2003. Elle a fait sa première participation à la SNC en 2004, où elle a remporté le premier prix. Et la troupe a également eu des sorties en Europe. On a été en France, on a été au Japon, on a été en Allemagne. Et en 2006, on a participé, en 2008, on a participé, en 2010. Et cette année encore, on revient toujours pour compétir. Au son des instruments traditionnels tels que le balafon, le tam-tam et la flûte, ces danseurs exécutent des pas de danse bien connus du terroir bois. Les pas de danse, on en a beaucoup. Il y a les pas de résistance, il y a les pas des travaux champêtres, il y a la danse des masques en feu, il y a la danse des masques en fibre. Pour mettre toutes les chances de son côté, la troupe Niketa a décidé cette fois-ci de miser sur la chorégraphie. Avant, on n'avait pas les chorégraphies. Maintenant, présentement, comme nous, on a participé beaucoup à la SNC, et nous aussi, on a un peu des idées. Et là, voilà pourquoi on a essayé de changer les figures, les chorégraphies, pour que les gens sachent que vraiment, il y a eu des changements. Lauréate à la SNC 2004, la troupe Niketa veut hisser haut les flambeaux de la boucle du Moun à cette biennale de la culture burkinabé. Nous sommes ici à la foire de la Semaine nationale de la culture, une foire qui reçoit un peu plus de monde au fil des jours. Si pour certains exposants, l'organisation laisse à désirer, pour d'autres, cette foire est l'occasion de faire de bonnes affaires. Le tour de quelques stands avec Peggy Widraogo.
La traditionnelle foire de la Semaine nationale de la culture est au rendez-vous à cette 16e édition. Cet après-midi-là, l'entrée du siège de la SNC qui abrite l'événement est noire de monde. De l'avis des exposants, depuis le début de la semaine, il y a de plus en plus de festivaliers à cause de la journée continue observée par les travailleurs de la ville de Sia. Cependant, côté vente, les affaires ne sont pas au beau fixe. De plus, comme nous le dit cette exposante venue de Ouagadougou, l'organisation laisse à désirer. Depuis que je suis là 4 jours, il y a une seule paille seulement que j'ai vendue. Puisqu'il y a des gens partout au dehors. Il y a des hangars vides cette année-là. Ils ont tout gâché. Avant, ça va un peu. Celui-ci attire l'attention des visiteurs sur la qualité des produits. Pour lui, la foire de la SNC doit être une tribune pour valoriser le « made in Burkina ». Les groupes ici viennent essayer de voir ce qui développe dans le pays, là, genre attitiste, pour nous encourager à développer certaines choses. Moi, je trouve qu'avec les trucs chinois-géris, il n'y a pas tout. Mais je trouve que ça... On voit ça partout dans le monde. Mais pour mettre le pays à développer les trucs artistiques, on n'a qu'à essayer de nous encourager à faire de ce côté. Les produits, il y en a de tout genre et de toutes sortes. Et chacun y va de sa stratégie pour aguicher le client. Des clients qui sont là, qui pour vivre l'ambiance de la foire, qui pour faire de bonnes affaires. On est venu voir la chose, on a payé la chose pour mes enfants aussi. C'est intéressant, c'est joli, c'est beau. Par rapport à l'année passée en tout cas, non, l'organisation cette année, non, il n'y a rien à dire. Oh, c'est à féliciter vraiment. Je pense que c'est très bien. Il y a des trucs à voir, des belles choses. Donc, on est là pour ça. Dans cette galerie marchande, le passage semble obligé dans la zone réservée à la restauration. De la boisson locale au mets apprécié des Burkinabés, les clients en ont pour tous les goûts. Dans les stands, les allées ou à la main, les vendeurs espèrent tous profiter de cet espace de grande affluence. La foire de la Semaine nationale de la culture est accessible tous les jours à partir de 8h du matin et ce, jusqu'à 19h, moyennant une participation de 100 francs CFA. C'est tout pour SNC à la une. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain pour un autre numéro.